c'est le tour d'un autre basketteur qui se cherche. Ouais, le Cameroun va se vidanger de tous ses ennemis, franchement. Notre pays là, hein, personne ne veut rester au Cameroun. Franchement, personne ne veut rester au Cameroun. Ouais. Ça c'est le tour de Joel Embiid. Il voit les gens rester là, il dit que non, pourquoi il n'a pas joué pour le Cameroun? Mais attendez, c'est toi qui as fui le Cameroun pour aller vivre une bonne vie. C'est toi qui demande à un gars de rentrer et aller jouer au Cameroun. Ouais. Vous m'amusez. Vous m'amusez vraiment. Hein. Franchement. Vous m'amusez vraiment. Elle dit que vous restez en Europe, vous restez dans vos bonnes conditions de vie, vous demandez à un gars qui ne connaît rien même en politique, qui ne comprend rien, hein, que quand il a sauvé, ou dit qu'il rentre jouer dans un pays où on ne connaît même pas ce qui veut dire basket. La seule chose où l'argent part, c'est au football. Vous demandez celui-là, qui veut pas aussi être riche? Tout le monde veut être riche. Tout le monde veut exploiter ses qualités. Je suis désolé, arrêtez ça. Ne soyez pas parfois aigri là. Il y a un niveau de la vie là, mettez-vous à la place de chacun. Oui, à un moment de la vie là, qu'on se mette à la place de tout le monde. Voilà. Son talent l'a amené là où il est. Aujourd'hui, il se retrouve dans le pays où on respecte les gens. Voilà. Chacun a droit au bonheur. Qu'on arrête ça. Tout le monde a droit au bonheur. Voilà. On est quelque part parce qu'on se sent bien. Et si on est quelque part et qu'on se sent mal et on a l'opportunité, on va partir. On va partir, c'est clair. Je vois la fille ici là, c'est le gars ici, que l'autre accusait chaque temps, Shakiro. Hein? Elle dit que voilà, je vois je vois la fille ici là, le gars ici qui fait le make-up là, qui est trop talentueux comme ça là. Il est trop talentueux là. Shakiro accusait que lui, il est double sim. Parfois, il refusait. Depuis qu'il est arrivé en France là, je vois, il dit qu'il a une femme transgenre. Donc maintenant, il est dans les langages de Shakiro. Donc ça veut dire que c'est Shakiro qui avait raison. Donc parfois là, quand on parle souvent de quelque chose, quand on parle souvent de quelqu'un, bête au lieu de défendre, femme ta gueule. C'est vrai. Dès que le souffle dans sa peau, on prend la bonne décision. La bonne décision, c'est ce qu'on se sent bien dedans. Il y a parfois, on se sent trahi. Mais comme c'était la bonne décision pour nous, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas trop de problèmes. Hein? Voilà. Souvent, tu veux le bien pour quelqu'un. Mais la personne refuse. La personne choisit le mauvais côté. Et il se sent bien dans le mal. Là. Tu vois une fille t'abandonne. Parce que alors que tu es un homme honnête, tu as toutes les garanties. Mais elle préfère aller vivre avec un gars qui a une... D'aller avec le gars où ils ont un avenir incertain. Donc, il y a des filles que quand tu vois les choix, tu sens qu'avec le gars, ils n'iront nulle part. Même dans nos familles, non? Même dans nos familles. On a des personnes qu'on te dit que là-bas, la fille là, vous n'irez nulle part. Vous n'irez nulle part. On a les frères, les soeurs dans la famille où on dit que là-bas, là, ça ne sera pas bon. Même nous-mêmes, non. Parfois, on te dit que là-bas, ce n'est pas bon. Tu insistes, tu pars, non. Tu supportes seulement. Jusqu'à un jour, on comprend que tu vas à l'hôpital, tu es mort. Oui. Donc, on laisse Joel Embiid tranquille, mon frère. Chacun doit au bonheur. Donc, arrêtez ça. Chacun doit au bonheur. Alors, il ne sert à rien de faire l'hypocrisie. Il a pris la bonne décision. Vous ne connaissez pas les problèmes de sa famille. Vous ne connaissez pas s'il est le 40e né de sa famille. Vous ne savez pas l'espoir que la famille a mis sur lui. Vous ne savez pas si c'était son schéma. Voilà deux prêtres qui ont fui depuis qu'ils sont allés entrer dans l'armée. Donc, dans les dernières nouvelles, on se rend compte que les prêtres là sont dans l'armée américaine. Ils sont maris. Ils sont maris. Les prêtres qui ont déserté là, qu'on cherche partout à Boya. On les demande de venir là. Donc, c'est pour dire que chacun choisit le côté qui est bien pour lui. Dans un pays où le chef d'État va se soigner, en Occident, vous croyez que qui va arriver en Occident, venant de la précarité, doit choisir le Cameroun? Non, l'exemple vient d'en haut. Je ne peux jamais en vouloir à une personne lambda d'avoir choisi le bonheur pour lui. Jamais. Interdit cela. Dit que la personne a pris une mauvaise décision. C'est être méchant. C'est être méchant. Nous tous, on a droit au bonheur. Chacun veut vivre bien dans sa peau. Je vous ai dit que le bien-être ne se limite pas à l'argent. Comme je dis chaque jour dans mes vidéos. Le bien-être, c'est de vivre dans un pays qui est propre. Moi, voici dans un hôpital.
Voici la place. Regardez, il n'y a personne. Parce que j'ai décidé de venir rester ici là. Il y a les salles pleines. On respecte les gens. On respecte les gens. Il y a le côté des fumeurs, il y a le côté des non-fumeurs. On respecte les gens. Alors, vous allez être là, on va te manquer le respect dans tous les sens. Un pays où on n'a pas la cadenité, vous demandez à un gars comme ça de venir. Mais parfois, renoncer, c'est aussi une bonne chose. Il y a des gens qui refusent d'assumer qu'ils sont Camerounais. Pas parce qu'ils ne peuvent pas assumer, mais c'est parce qu'ils refusent de voir ses frères souffrir devant lui. Ils refusent d'être privilégiés parmi ceux-là qui souffrent. C'est ça le problème. Il y a des gens qui refusent d'être privilégiés. J'ai les places où je suis arrivé. J'ai refusé d'être privilégié. J'ai refusé d'être privilégié. Mais oui, c'est aussi ça, aimer son pays. Il y a des gens qui refusent de venir dans un monde où ils seront privilégiés et que les gens souffrent. C'est ça mon combat en fait. Moi, c'est ça mon combat au Cameroun. Mais oui, c'est ça mon combat. Mais oui, c'est ça mon combat. Mais oui, celui qui veut parler fort là, ne restons pas seulement en Europe, on parle seulement. Ne restons pas seulement en Amérique, ne restons pas en Asie là où tout est propre. L'argent ne suffit pas. N'est pas vous dire que depuis que j'ai voyagé, je suis frais. Mais alors qu'au Cameroun, j'ai tout. Au Cameroun, j'ai tout. Mais regarde comment j'ai voyagé, je suis devenu frais. Je suis comme je suis souvent auparavant. Mais oui, c'est vrai. Au Cameroun, je suis frais, oui, je suis chaud. Mais pas comme ici. Ici, ce n'est même pas l'argent. C'est l'environnement. Tu te laves bien. Tu te laves la poussière, je ne te peux pas sur toi. C'est clair. Mais c'est clair. Et tout le monde a besoin de ça. Tout le monde a besoin de la propriété. Alors, parle quoi là qui n'ont pas de sens. Qu'il a fait le mauvais choix. Dans un pays où l'anarchie totale, il va venir, on va lui parler fort. On va lui dire, regardez comment on traite Samuel Eto'o. Hein, regardez comment on traite Samuel Eto'o. Il y a deux chaises. Les gens, il y a deux chaises. Le ministre des Sports qui devait honorer Samuel Eto'o comme une légende de sa discipline. Avant que tu ne sois, tu es ministre des Sports parce que les footballeurs existent, parce que les sportifs existent. Et tu ne peux pas être là, debout. Tu ne peux pas être là, assis. Le président de la FECAFOOT est là. Lors d'un match amical, ce n'est pas lors d'un match de... Ce n'est pas lors d'un match normal avec un adversaire. C'est un match amical. Donc, d'un entraînement. Tu laisses une légende de football debout. Même pour le protocole, tu dois interdire cela. En tant qu'un ministre qui se respecte. Tu ne peux pas venir parler fort. On a vu en France. Comment celui-là a osé de parler mal à Zinedine Zidane. Ce qui lui est arrivé. Il a été démis de ses fonctions. Attendez mon ami, tu es président de la FECAFOOT parce que les footballeurs existent. Tu es ministre des sports parce que les sportifs existent. Donc pour cela, tu as le droit et le devoir de les respecter. Donc un joueur NBA va rentrer au Cameroun. Il est quelque part loin, il est respecté. Il était le meilleur basketteur de la ligue des États-Unis. Il va venir au Cameroun, on va lui manquer le respect. Un pays où tout le monde est roi. Chez moi, le camp avec ça. Il part où? Mon ami, Joël Emi, tu as bien fait. Tu as bien fait. Même moi, là, si mon fils est un champion, jamais de la vie. Faut quoi là-bas? Un pays où on manque le respect aux gens. Un pays où on respecte que la personne qui est. Attendez, regardez, parle-moi comme ça. Parle-moi comme ça qui n'ont pas de sens. Un pays des voleurs, tu vois Samuel Eto'o debout, il a croisé les mains. Tu sens qu'il est frustré. Tu sens qu'il est frustré. Tu sens qu'il y a la guerre entre deux personnes. Regardez un pays comme ça là. Voilà Semenge qui n'a jamais joué au ballon. Voilà un général, tout un général de l'armée. Qui est en fond, qui travaille depuis que. Avant qu'on accouche Samuel Eto'o, Semenge travaille déjà. Le voilà qui discute avec Samuel Eto'o. Le voilà qui discute avec Samuel Eto'o. D'abord même le Cameroun est une équipe de basket. Donc c'est Joël Embiid qui va venir faire quoi? Vous allez, voilà, donc c'est lui qui va venir reformer le basket camerounais. Mais le grand Yannick Noah fait quoi du tennis? Le grand Yannick Noah a fait quoi du tennis? Qui est le champion qui a remporté le Roland Garros? Le seul français qui a remporté Roland Garros? Le seul africain même. Il a fait quoi du tennis camerounais? Il a fait quoi? Alors qu'il est un homme loi. Alors qu'il est, il fut le français préféré de tous les Français. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il ne remonte pas? Vous dites que Embi, qui est un jeune gars qui se bat, qui se cherche encore, de venir là-bas. Je dois arrêter ça. Un pays penché comme ça là. Tu as bien fait. Joël Embi, tu as bien fait. Voilà. Laissez les enfants tranquilles, mon frère. Voilà. Pas choisi quoi là?
à venir griller sa vie. Et après, on va te regarder comme ça. Là. Un pays qui ne donne rien à quelqu'un, mais qui te prend tout. Voilà. Ceux qui sont venus, on les a fait quoi? Depuis les Ouest radicaux, ils sont devenus quoi? On les honore. Est-ce qu'on peut célébrer un jour l'anniversaire de Ouest Madiko? Quelqu'un qui a eu le disque en platinium, les Grammy Awards, Ouest Madiko, le grand Ouest Madiko, les premiers Africains à avoir le disque en platinium, les Grammy Awards, Ouest Madiko. Est-ce qu'on parle de lui au Cameroun? Quand on parle de la culture, on ne les gêne même pas. Tout ce que Paul Biya Ayo, Ouest Madiko est mort, oui. Est-ce qu'on parle de lui? C'est des légendes, ça devait être les légendes. Ça devait être les gens que quand on parle de la musique, on parle d'eux. Qui parle de lui? Oui, il est mort. Oui, c'est mort depuis, mais est-ce qu'on parle de lui? Est-ce qu'on parle de lui? Et d'un pays où on ne respecte rien. Guinée, laissez ça, dis donc. Jean Mbi, tu as bien fait. Voilà, tu as bien fait. Laisse-nous dans la politique, là. On va choquer, on va arranger, chacun va venir. Que le Cameroun s'arrange bien. Voilà, si tu vis au Cameroun, tu deviens sale. Même nous, on est déjà sale. Voilà. Même nous, on est déjà sale. On est déjà dans la sauce là. Donc laissez-nous, on est déjà grillé. Voilà, que tu vas venir un gars comme ça là, il est là, il a tout à donner. Voilà, ils ont tout à donner. Donc donne là où tu peux donner. Là, on va te valoriser. Alors, on va te valoriser. N'importe quoi. Ah, c'est un pays. Au pays, il n'y a pas de valeur. Et c'est ça, dis donc. Regardez comment Coin Samuel Eto'o n'est pas libre. Tout ça, ils sont au courant de tout. Ils sont au courant de tout. Ils sont au courant. Voilà, attendez. Regardez les talents André Marie. Ça, c'est les légendes. Talents André Marie, c'est les gens qu'on doit donner le passeport diplomatique. Mais oui, mais tout pour eux. Tu vas voir même la bonne d'un ministre, le passeport diplomatique. Parce que c'est lui qui porte l'argent. Vous allez, je connais un gardien, les gardiens d'un ministre qui a le passeport diplomatique pour faire le sale boulot. Hein? Ils sont là avec les passeports diplomatiques. L'autre avant de mourir, Manu Dibango, il était honoré. Le voilà, on parle de lui. Quelqu'un que les autres ont piégé. T'as l'André Marie, quelqu'un que les James Bond ont piégé. On a plagié. Où est la structure? Où sont les structures quelque part? Où sont les statuts quelque part pour les honorer? On les honore. Manu Dibango est mort comment? On a parlé. Voilà là où la diplomatie devait réagir. Mais si c'est pour aller prendre en otage le corps de sa femme, le corps de sa belle-mère, on est champion. Si c'est pour user la position de président pour prendre le corps de sa belle-mère à son mari, légitimement marié, on est champion. Disons, quittez de là. Un pays comme ça, dans l'anarchie totale. Mon frère, laissez-nous là-bas. Nous sommes dans la porcherie. On va se salir. C'est clair. Ma soeur, si tu as ton enfant, laisse-le là-bas, là où il est là. Quand il voit les Camerounais, non, vraiment, il faut que mes enfants vont apprendre la culture de chez moi. Mon ami, c'est toi qui es né dans la merde, monsieur. C'est toi à arranger la place pour que tes enfants viennent, petit chien que tu sois. Et que non, je vais amener mes enfants faire 2 ans au Cameroun. Vas-y. On va partir avec 2. Tu vas rentrer sans rien. Il y a un qui est parti, mais avec 3 enfants. Non? Le palais a tué 2. Petit Tintin. Il va amener mes enfants là-bas. Non, j'ai dans l'immeuble, j'ai 3 millions par mois. On t'a dit que le bien-être, c'est l'argent. C'est l'environnement. Il y a l'ambulance au Cameroun. Tu es sûr que si tu appelles là, on va venir intervenir. C'est ça, ce n'est pas ton argent qui est important. Dans un monde qu'on achète tout là, on s'appauvrit. C'est-à-dire que dans un monde, on doit tout acheter. Dans un monde, on doit payer le service. On paye le service rendu. Mais au Cameroun, tu as même l'argent, tu meurs. Parce que rien n'est normal. Vous parlez que non, je vais amener mes enfants au Cameroun. Il y avait 3 millions, 4 millions. J'ai un cousin là. Grand frère, il va amener mes enfants. Oh, ne viens pas. Oh. Ok, grand. Non, grand, il veut venir. La femme s'est d'abord cherchée après 8 mois. Il a compris que 3 millions étaient rien. Comment tu vis? Tu portes les enfants qui vivaient dans un monde où il y a les manèges. Il y a tout. Il y a des avantages. Que non. Dominique Savio,
les enfants ont fréquenté Dominique Savio et je vais payer la moitié, le gouvernement français va prendre la moitié. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas une affaire d'argent. Ce n'est pas une affaire d'argent. Tu n'as pas l'argent plus que les ministres là. Les DG camerounais, ils ont l'argent. Mais les enfants fréquentent là où il y a la garantie. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Et ils ont le pouvoir d'appeler le docteur, mais les soigner à la maison. Mais eux-mêmes, ils savent que ceux-là sont les incompétents. C'est pourquoi les femmes partent accoucher dehors. Toi, tu as eu la chance d'immigrer, accoucher tes enfants quelque part où il y a la sécurité. Tu les portes pour les amener dans la merde. Laisse chaque enfant dans ça. L'enfant n'est pas têtu. Il vit selon son milieu. C'est toi qui vois que l'enfant se comporte mal. C'est toi qu'on t'a tapé. Tu tapes l'enfant là où on ne tape pas les enfants, on t'envoie en prison. C'est une bonne chose. C'est clair. Laissez-moi ça, dis donc. Laissez-moi ça. C'est clair. C'est clair. Tu tapes un enfant là où on ne tape pas les enfants, tu pars en prison. Tu n'as pas le droit. C'est sa culture. Il est éveillé, il est émancipé. Tu viens dans un monde où on t'avait borné. Tu n'as jamais profité de la vie. Tu ne connaissais pas le manège. Tu ne connaissais pas les jeux d'enfants. On ne t'a jamais cajolé. Tu ne connais rien. Tu es un sauvage. En état pur. Nous sommes des sauvages. Nous sommes des sauvages. Que non, il faut qu'il rentre en Afrique. Il est né là-bas. Il a la culture de là-bas. Tu te comportes comme un Camerounais. Tu es malhonnête parce que chez vous, même le chef vole. Tu es immigré. Parce que même chez vous, même ton chef voyage chaque temps. Il voyage. Donc rien n'est bien chez vous. Comment tu veux porter un enfant qui est né dans un espace où il y a tout? Tu dis que l'enfant est têtu. Ne confonds pas l'enfant qui est éveillé, l'enfant têtu. Non. Il est éveillé. Il faut juste canaliser son éveil de conscience. C'est tout. Hein? Mon frère, il ne faut pas embrouiller les gens, mon frère. On dit qu'un joueur Indi va rentrer au Cameroun. Vous faites quoi au Cameroun? Viens faire quoi là-bas? On va pas qu'il est encore géancé. Regarde comment le gars est frais. Il va venir rester dans votre merde là. Vous voyez comment les gars là sont frais au Cameroun? C'est parce qu'ils volent beaucoup d'argent. Ils volent beaucoup d'argent. Quelqu'un a habitué que non, là où je pars là, je vais prendre mon métro, je vais arriver à l'heure. Là où je pars là, j'ai pour 5 minutes, j'ai pour 10 minutes, je vais arriver. Dans un monde où tu n'es pas sûr d'arriver. Parlez encore là. Ce n'est pas tout le monde qui est content de voir la misère de son enfance. Il y a des gens que quand il sort là, il est parti. C'est parti. C'est toi qui es courageux, mon frère. C'est toi qui as le courage de rentrer dans ta misère de ton enfance. Non, non, il faut laisser. L'enfant qui est né au Cameroun, c'est bien, il peut supporter là-bas. L'enfant a immigré à son bas âge. Il arrive dans un monde. Mon frère, ça c'est la méchanceté. Laisse l'enfant là-bas. Ok? Il profite de la vie. Il profite de l'éducation. C'est tout. C'est tout. Il ne faut pas embrouiller les gens, mon frère. Vous emmerdez les gens. Alors, vous emmerdez les gens que non, mes enfants vont rentrer au Cameroun. Que Joël Indi a fait le mauvais choix. Vraiment, il devait aller. Il devait faire quoi? Il va jouer seul. Il devait faire quoi? Tu vas jouer seul. Même dans un match de football, vous êtes 11 au stade. Si les autres ne font rien, toi seul, tu vas faire quoi? Il refuse de venir se faire ridiculiser. Il a fait le bon choix. Voilà. Il a fait le bon choix. Il refuse de venir se faire ridiculiser. Il refuse de venir céder à la corruption. Parce qu'on va lui donner l'argent, on va lui dire que voilà comment il faut faire. Donc il faut visser tes frères, ils n'ont droit à rien. Il ne sert à rien de venir prendre 100 millions alors que tes frères n'ont même pas 1 million. Il refuse cela. Donc c'est ça, il a démissionné. C'est clair. Il a renoncé à l'offre. Il a renoncé. Vous lui tendez la main, oui. Il va venir. Mais il a un comportement où chacun mérite un salaire après le travail. Mais il va venir dans un monde où on va dire que bon, ceux-ci mangent, ceux-ci ne mangent pas. Mais ils refusent. Ils refusent. Vous dites qu'il faut qu'ils viennent jouer au Cameroun. Vous êtes sûr que vous allez accepter qu'il soit comme sélectionneur parce qu'il a la vision d'un grand. Il ne peut pas quitter. Il ne peut pas quitter. Il ne peut pas quitter au pays des gens qui ont deux yeux pour venir être aveugle quelque part. Comment vous faites quoi? Vous dites comment ça là? Quelqu'un va là où les gens ont les yeux. Vous lui dites de venir être roi au pays des aveugles. Comment? Comment? C'est le challenge qui développe les gens. C'est le challenge. Alors, c'est comme mon fils. Il était dans un club de karaté là-bas. Un club de karaté où il est ceinture marron, tout et tout. On tourne. Un club qui n'est même pas affilié, tout et tout. Mais l'enfant a porté la ceinture marron. Il a duré avec jusqu'à... Mais après, j'ai vu un autre club. Je l'ai envoyé là-bas. Il a dit que voilà là où il y a tes amis. Voilà tes égos. Combattez. Alors, combattez. Quand moi-même je pose entraînement, moi-même je confirme que ici là il travaille. Alors, mais oui, c'est ça. La compétition change les gens. Il est devenu plus meilleur parce qu'il est parti là où il y avait la compétition. Plus il y a la compétition, plus tu découvres qui tu es. Tu vas venir dans un monde où les gens n'ont même pas mangé, viens jouer. On va dire,
Les gens parlent seulement, on dit équipe nationale. Équipe nationale de basket. Tu as vu les gars là? Tu as vu les gens là? On te dit que équipe nationale de Feka Karaté, équipe nationale de Feka Han. Tu les as vu? Tu vois quelqu'un devant toi là? Tu sens que celui-ci là, il dort encore chez ses parents. Mais oui, il dort chez ses parents. N'est pas, les petits là, je les connais. Le champion du Cameroun là, il fait la moto. Il y a un champion du Cameroun là à son temps. Il est parti, il a remporté le prix en Égypte. Tu vois un gars qui était en Europe, il n'a pas fui. Il est rentré au Cameroun. Il fait la moto. Un boxeur, champion de Cameroun à sa catégorie. Il fait la boxe. Champion du Cameroun en marche. Il s'est cherché. Vous voulez embrouiller les gens. Un pays comme ça là, il va venir, on va dire que non monsieur, ici tu ne parles pas fort. Non, tu n'as pas le droit de parler. Attendez, quelqu'un qui vient là où le basket, c'est-à-dire le sport numéro un est le basket. Il est champion. Il va venir au Cameroun. On va dire que non, ici là, tu es un simple joueur. Ne parle pas. Ne parle pas comme ça là. C'est comme ça qu'on fait ici là. Il va écouter les histoires là. Que tu sais à qui j'ai affaire. Non. Il n'a pas besoin. Il a fait le bon choix. Le patriotisme dans quoi? Non, ça n'a pas le patriotisme. Non, personne n'est patriote. On va devenir patriote le jour que Paul Biya lui-même sera patriote. Laisse ça, patriotisme dans quoi? Dans la pauvreté, dans le noir, pendant que les gens ont le groupe électrogène chez eux. Ah bon, hein? Pendant que les gens ont les gardiens chez eux, l'armée gars les garde. Le patriotisme. Ah bon, hein? Dans le patriotisme, donc, mon ami, il dort là où il y a la lumière, là où il y a l'eau. Voilà, ce n'est pas lui à venir construire le pays. Vous avez dit que vous allez faire la politique. Vous avez dit que votez nous. On va construire le pays. Construisez les gens payent les impôts. Construisez. Chacun va venir profiter du pays. Construisez, les gens payent les impôts. Les gens payent les impôts. Vous parlez comme ça là. Je vois les gens porter les enfants. Moi là, si moi j'avais fait mes enfants, si moi j'avais accouché mes enfants là que dehors là. moi je viens seul. C'est mon enfer là-bas. Et que c'est mon enfer. Chacun rentre dans son enfer seul. Comment tu vas porter ton enfant, amener dans ton enfer? Il est né au paradis, laisse-le là-bas. Oh. Laisse-le là-bas, mon frère. Laisse-moi là, n'importe quoi, vous venez embrouiller. Ça, c'est l'hypocrisie. Vous êtes là, mon enfant est français, c'est dans votre cœur, vous êtes content. Mon enfant est français. Mon enfant est anglais. Mon enfant a le Bordeaux. Mon enfant est ceci, cela. Mon enfant. Donc, vous êtes content, vous êtes très content pour ça. Non, il faut qu'il soit patriote. Mais rentre, porte tes enfants, tu vas au Cameroun vivre. Hein? On va voir si tu as un supporter, même 6 mois seulement. Tu as supporté 6 mois. Si eux-mêmes vont supporter, si ce n'est pas que eux-mêmes vont partir à l'ambassade, dis que le père que vous voyez là, ce n'est pas notre père. Dis que n'importe quoi. Laissez les enfants là où c'est là. Les enfants, mes enfants sont au Cameroun. Oui, ils sont nés Camerounais. C'est comme ça. Ils sont nés Camerounais, c'est bien. Voilà, n'amenez pas un gars qui s'est sauvé. Il est au pays des rois. Tout le monde est roi aux États-Unis. C'est le mérite. Tu mérites, on te met là-bas. Vous êtes sûr que si il était au Cameroun, c'est qu'il devait être dans sa position là. Vous êtes sûr que s'il était au Cameroun là, c'est que vous l'avez notamment donné le simple brassard. Vous aimez toujours détruire les gens. Le Cameroun ne fabrique personne. Le Cameroun ne fabrique personne. C'est pourquoi tout le monde fait attention. Voilà Francis Ngannou. C'est les gars que si on donnait la liberté de parler, ce que les stars parlent, si on faisait un pays libre, comme la Côte d'Ivoire, regardez les Galicéni. Les Galicéni. Il est contre le président Ouattara, non? Mais ils ont fait la paix. Ok? Ils ont fait la paix, mon ami. Regardez-moi, c'est aujourd'hui. Est-ce que c'est aujourd'hui, mon ami? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Voilà, ça fait longtemps que je porte ça, petit frère. Donc, voilà en Côte d'Ivoire. Les Gadi Séni sont rentrés. On reconnaît les valeurs. Quelqu'un qui était un pro-barbeau. Gadi Séni est rentré. L'ancien capitaine de Côte d'Ivoire, il est rentré. Mais dans votre pays là, personne n'a rien, aucune parole à dire. Personne n'a rien. Nous, tu vois comment, même Ouattara, même Didier Drogba, il ne parle pas sur le Ouattara, mais on lui donne sa place. C'est ça un pays. Un pays où on vise tout le monde. Vous croyez que les Américains sont libres? Personne n'est libre. C'est un pays où si on donnait la latitude à chacun de parler, ce que tout le monde peut venir parler, que ce que notre pays a animé chaque temps. On en a marre de débats chaque jour. Ce n'est que la politique, comme si... Alors qu'il y a des gens qui sont réalistes là. Alors, on a des footballeurs, on a des chanteurs, les artistes, les ingénieurs. Mais c'est parce qu'on fait tout le monde a peur. Tout le monde a peur. On frustre tout le monde. Tout le monde a peur. Et puis quoi?
Après, on dit qu'ils vont rentrer. Ils rentrent où? Laissez l'enfant être tranquille, disons. Laissez l'enfant être tranquille. N'importe quoi. Il devait rentrer, il a fait le mauvais choix. Quel mauvais choix? Quelqu'un fait son choix personnel, vous dites que c'est un mauvais choix. Il choisit là, il veut bien s'exprimer. C'est sa carrière. Il choisit sa carrière. Il dit qu'il a fait un mauvais choix. Il fait un mauvais choix. Déjà d'abord, vous l'acceptez. Vous êtes peut-être même dans l'américain. Vous pouvez l'accepter. Vous pouvez l'accepter d'abord. Vous refusez la double nationalité et vous voulez les gens. C'est même un tort. Hein? C'est même un tort. Vous respectez qui? Vous respectez qui? Alors, le jour que Samuel et toi va se comporter mal là-bas, on va dire que monsieur rentre en Espagne. Sinon, on te colle ta procédure. Tout le monde est piégé au Cameroun. Le jour que Samuel et toi va ouvrir sa bouche, on le porte, on le met dans l'avion. Monsieur, d'abord tu es espagnol. Tu es espagnol, vous allez voir. C'est comme ça le Cameroun. Voilà. On te monte contre les autres et on monte les gens aussi contre toi. Chacun tient chacun. Vous croyez que ce que Semeng fait à Samuel Eto'o là, hein, il ne pouvait pas renoncer à ça. Mais c'est parce qu'on est derrière lui. On dit que non, vas-y. Non, ne le laisse pas. Il faut le gêner. Maintenant, ceux qui envoient les gens pour des nuits là sont derrière. C'est les pyromanes. Ils viennent comme les sapeurs-pompiers. Ils font semblant. Ils font semblant. Dans le modèle, ils font semblant. Ah, dis donc. Que quand il a sa nationalité américaine, donc maintenant vous l'acceptez. Pour le salir. Pour salir seulement. Non, laissez ça. Laissez ça. Chacun a droit au bonheur. Le bonheur n'est pas seulement l'argent. Voilà. Le bonheur n'est pas seulement d'être au sommet, là où on se trouve. C'est aussi profiter de la vie. Le bien-être de la vie. La bonne honneur de la vie. Dans les bons endroits. Chacun a besoin de ça. D'arrêter de tromper les gens. Vous trompez trop les gens. Alors, vous voyez un jeune gars comme ça qui a son avenir devant lui là. Alors vous voyez, il a son avenir devant lui là. N'importe quoi. Pourquoi vous n'interdisez pas aussi les Africains de jouer, de partir jouer la Champions League, de partir jouer les championnats dans d'autres pays? Il faut interdire que les Camerounais vont plus dehors jouer. Voilà, on vous laisse partir parce que on veut pas que vous venez nuire. Tout le monde part. On laisse les génies partir. L'autre jour, c'était deux prêtres. Ils sont partis entrer dans l'armée. Vous ne nous posez pas la question, pourquoi ils n'ont pas fait le concours de l'armée au Cameroun? S'ils faisaient, ils devaient passer. Mais ils sont allés ailleurs, ils sont les officiers de l'armée aux États-Unis. Enfin, il faut respecter les pays qui acceptent le mérite. Ton pays là, notre pays est en retard de 100 ans. On n'accepte pas le mérite. Et c'est comme ça que notre pays va se vidanger des talentueux, des meilleurs. C'est pourquoi les vrais Camerounais, moi, tout dire. Les vrais Camerounais qui méritent sont dehors. Mais oui. Moi ceux qui sont comme là, ils sont la proie. Hein. Ils sont la proie. Les emplois prouvés, tu envoies ton argent à combien de personnes? Combien t'appelles pour te dire merci? Quelqu'un prend ton argent, il est incapable de te dire merci. Avant que tu l'envoies l'argent, il t'appelait chaque jour. Tu l'envoies l'argent, il prend l'argent, il ne te dit même pas merci qu'il a pris. C'est toi qui l'appelles pour dire que quand tu l'appelles, tu comprends les bruits. Il au bar, les bruits, en train de boire la bière avec ton argent. Maintenant, quand tu l'appelles là, il est pressé de couper le téléphone parce qu'il est dans les bruits en train de boire la bière. Il va t'appeler un jour, être posé dans le calme quand l'argent est fini. Ils n'ont pas là, ils n'ont pas honte. Ils sont tous même. Vous croyez que c'est quoi? On les a endoctrinés, on les a mal éduqués. C'est le système qu'on a mis sur pied. C'est le système. Tu commences à sentir que c'est à cause de ton argent qu'on t'aime. Mais oui, c'est à cause de l'âge de ton argent qu'on t'aime. On ne t'aime pas parce que toi, tu es la personne d'eux. On t'aime parce que tu as envoyé l'argent. C'est quoi ça? Vous voulez qu'un gars comme ça rentre? Pardon, laissez. Voilà Francine Ganou. The dream become true. Il faut dire la vérité. À l'époque là, est-ce que... Voilà l'enfance bénie. Regardez comment l'enfance bénie est finie. Dans la précarité, dans la misère. Enfance bénie. Seigneur, Alphonse Béni. Alphonse Béni qui est venu jouer le film avec Richard Harrison. Ninja Condom 13. Ninja Condom 13. Est-ce que vous savez qu'il y a cela 30 ans, on avait un Camerounais à Hollywood. C'est dans les histoires que les gens font là, les sketchs là, c'est des conneries. Est-ce qu'on l'a exploité? Il est venu au Cameroun à accepter qu'on l'abuse, qu'on l'escroque. Il a fini sa vie dans la précarité. On avait un Camerounais, Ninja Condon 13. Il a épousé notre grande soeur de Mbanga. Sa femme, c'est une fille de Mbanga. Notre voisine Mbanga, la femme de Alphonse Béni. On a vu Richard Harrison au Cameroun, venir jouer le film, une partie de Ninja Condon 13.
au Cameroun, Richard Harrison. Regardez, il y a cela peut-être plus de 30 ans. Regardez comment il est mort. Vous honorez qui? Vous honorez qui? Dès lors qu'un talentueux rentre au Cameroun, on éteint son étoile. Combien de gars de la diaspora rentrent au Cameroun après les vacances, perdent le boulot? Un pays qui hante ses enfants. Un pays qui hante ses enfants. C'est quoi j'ai dit? Mon meilleur combat actuellement là, je ne combats plus pour chercher l'argent. Je mange, je me couche, je dors. Je peux envoyer mes enfants à l'école. Si possible, j'aide les autres enfants à partir à l'école. Maintenant, mon combat, c'est en politique d'abord. Parce que tout ce que tu fais là, tout est... on va prendre ça un matin. On va prendre ça un matin. Mais oui, on va prendre ça un matin. Hein? On va prendre ça un matin. Mais oui, c'est vrai. Tout ce que tu cherches, on va prendre ça un matin. Dis donc, même les Français, un matin, on va aussi te sortir sa part de passeport. Donc, pour le moment, là, on ne connaît pas encore vrai. Parce que le sport est comme ça, c'est trop compliqué. Il y a beaucoup de secrets derrière. Qu'on peut nous dire. Donc, oui, on sait qu'il est Camerounais, oui. Mais, attendons voir. Parce qu'il y a beaucoup de cartes que les footballeurs nous montrent là. Qui connaissait que Samuel Eto'o était espagnol? Ça ne fait pas quelques années qu'on a su que Samuel était espagnol. Ça ne fait pas quelques années qu'on a su. Il y a beaucoup là qui ne montrent pas. C'est Idrissou qui est venu sortir les cartes. Que tout le monde que tu vois là, c'est les étrangers. Est-ce qu'ils connaissaient? C'est Idrissou. Idrissou. Donc même les Carlos Kameni, tout le monde est que étranger. Qui connaissait? Qui connaissait que les gars là, tout le monde est que étranger? Qui connaissait? Ils ont la double nationalité. Qui connaissait? Donc ce qui est sûr et certain, ce qui est sûr et certain, est que Francis Ngannou va un jour sortir. C'est clair. Non, ce qui est sûr, parce que je connais que c'est compliqué l'affaire des visas là. À un moment, ça commence à être fatigué. Voilà. À un moment, ça commence à être fatigué. Oui, bien beau, tu es une superstar, tu as accès au visa. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'à un moment là, c'est fatigant de mettre les stamps dans ton passeport. Stamps. On s'en fout que tu es superstar. C'est ton identité qui est importante, qui te facilite les voyages. C'est clair. Donc, ce qui est sûr et certain, un jour, ça va sortir. Ils sont nombreux là. Je connais quelqu'un, un homme d'affaires, qui a le passeport des Seychelles. Mais oui, on achète ça à 100 000 $. Il a acheté ça à 100 000 $. Oui, légal, hein, légal. Voilà. C'est comme l'île de Malte. L'île de Malte que moi j'ai fait. Je connais bien. Il y a la procédure. Tu achètes une maison de 500 000 €. Et il y a même les notaires que tu négocies avec eux là. On fait comme si tu achetais une maison. On te donne un passeport maltais. C'est pour tes affaires. Mais oui. On te fait un passeport légal que tu voyages avec. Mais oui, c'est dans la légalité. Mais c'est pour tes affaires. Pour tes affaires, donc ça existe. Voilà, ça existe. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Donc, mon frère Joël Embi, tu as bien fait. Soutiens à Joël Embi. Tu as bien fait. Chacun a droit au bonheur, mon frère. Regarde comment tu es frais. Regarde comment tu es frais, tu es beau. Regarde, c'est l'environnement que tu es beau. Si tu étais au Cameroun, on m'a dit que voilà un géant pauvre. Je connais la famille Ambassa. La famille Ambassa, en Banga là-bas, les bons footballeurs, les bons basketteurs, géants comme ça en haut, ils sont finis comme ça là. On donne les opportunités. Quand tu rentres là, tu vois comment un grand te poursuit pour te demander 1000 francs. Un grand handballeur, un grand franc, moi. Un grand handballeur, aujourd'hui, il joue le bal à fond. Il joue le truc là, il est dans l'équipe de Didier Yango aujourd'hui. Un grand Bafiala, il jouait au tennis. Il joue au handball, la magie seulement. Alors, il s'éteint comme ça, un pays qui tue les talents. Pardon, laissez ça, dis donc. C'est ça. Vous êtes les mauvais conseillers, arrêtez de nuire aux gens. Voilà. Demande-moi que Mbanga Diaspora, pourquoi tu vis dehors? Il veut te répondre, c'est tout. Il faut laisser les gens tranquilles. Voilà, il ne comprend rien en politique. Voilà, il ne comprend rien en politique. Voilà, la vie c'est un choix, oui, il a choisi de vivre dehors, c'est tout. Voilà, tant pis pour vous. Moi j'ai choisi de rentrer au Cameroun et j'assume, c'est clair. Mais c'est pas tout le monde qui supporte dans la poubelle. Le Cameroun c'est une poubelle. Vous croyez que c'est tout le monde qui a le courage
de porter ses amis étrangers venus au Cameroun. Vous êtes nombreux là, vous cachez la maison familiale de vos parents. Parce que c'est insalubre, ça ne ressemble à rien. Vous êtes nombreux, vous cachez la maison de vos parents. Donc vous croyez que quelqu'un qui est une superstar, il y a des gens qui renoncent. Qu'on ne voit pas la poubelle de son pays, ils renoncent. Ils renoncent. Il y a des gens qui refusent de porter ses amis du pays où ils vivent là pour venir visiter le Cameroun. Parce que dehors, il tape sa poitrine, je suis un Camerounais, je suis un Camerounais. Il a peur qu'on vienne voir la poubelle qui est chez lui. Il renonce à cela. Non, c'est fier d'être de son pays, d'origine. Mais ce n'est pas normal de montrer la poubelle qui est dans ton pays. Parce que vous allez voir certaines personnes, ils montrent la grande gueule. Mais, ils ne peuvent pas assumer la maison de leurs parents. Nous, on a le courage, on assume. Oui, nous, on a le courage, on assume. Est-ce que vous êtes nombreux là? Est-ce que vous pouvez assumer la maison en carabot de vos parents? Est-ce que tu peux assumer la maison en carabot de tes parents? Vous êtes nombreux, vous cachez vos grands frères qui sont malades. Vous cachez vos frères, vos soeurs qui sont malades. Vous êtes nombreux, vous cachez. Voilà, lui il refuse de rentrer dans la misère pour voir ses frères souffrir. C'est clair. Donc bêta, il travaille l'argent, il peut nous aider autrement. Voilà les icônes qui sont partis se chercher dans le monde entier. Aujourd'hui, ils font des choses au Sénégal. Il amène les superstars au Sénégal. C'est normal. Donc on peut aider son pays autrement. Oui, on peut aider son pays autrement. Voilà Francis Ngannou, il est parti se chercher, il est rentré conçu une salle pour les sports de combat. Bon, s'il avait décidé de rester au Cameroun, est-ce qu'il pouvait construire la salle là? Donc chacun est important à son niveau. Voilà le grand frère Lopez qui a décidé de rester en France. On voit ce qu'il est en train d'abattre comme travail. Il a ouvert une salle où il donne la priorité aux Camerounais. Les champions qui défilent là, vous croyez, c'est quoi? C'est quand même grâce à sa salle. Donc chacun est important. Voilà, il ne faut pas seulement venir jouer dans l'équipe de basket de l'équipe nationale de son pays pour montrer qu'on est important. D'abord, une équipe qui n'a pas de tennis, les gens n'ont pas de chaussures, les gens n'ont pas de maillot. Demain, on vous dit que même les 20 millions qu'on a dit que partager à tous les joueurs, personne n'a rien reçu. Tout le monde est focalisé que sur le football. Il devait venir changer quoi? Arrêtez ça, dis donc. C'est pas un pays qu'on peut changer. L'ordre vient d'en haut. Voilà, l'ordre vient d'en haut au Cameroun là-bas. Tout ce qui est bien là, tout tourne qu'à étudier. Tout ce qui est bien qu'à étudier. Le seul endroit propre, là où il n'y a pas délestage, là où il y a manque d'eau, là, ça a étudié. Ça a étudié. Voilà. Le reste là, c'est les conneries. Tout le monde souffre au Cameroun. Même les ministres là sont en otage eux-mêmes. Ils sont victimes. Voilà. Sinon, un ministre ne devait pas se déguiser pour fuir le Cameroun. Pourquoi on ne pas l'attraper au Nigeria? Si le Cameroun était bien. Ok. Bon, c'est mon tour. Hein. On m'a appelé là. Je vais partir. Je suis à l'hosto. Donc voilà. Allez contribuer sur mon numéro Orange Money. Il faut tout demander. Voilà. Je suis là pour mon traitement. Donc j'ai rendez-vous aujourd'hui. Voilà, le soir. Donc voilà. Pour tous ceux qui veulent participer dans ma cagnotte, n'hésitez pas à envoyer votre dépôt dans le 6-96-94-32-42. 6-96-94-32-42. Le MTN Money, c'est le 6-83-40-97-55. Voilà, il y a aussi le lien PayPal. Hein. Il y a le lien PayPal. Donc n'hésitez pas. Ok, n'hésitez pas de participer. C'est aussi ça, être combattant. Voilà. N'hésitez pas de participer, mes chers frères et sœurs. Donc voilà. Bon, tu n'es pas d'accord et c'est ta vie. Et tu vas voir quelqu'un qui dit qu'il n'est pas d'accord. Lui-même vit chez les Blancs. Tu vas voir quelqu'un qui... Tu sais, c'est bien de ne pas être d'accord. Ok, c'est bien de ne pas être d'accord. Mais il faut que ta vie soit mieux. Il faut que ta vie soit mieux et que autour de toi, ce n'est pas toi ce qui est bien. Que la vie a offert les opportunités.